Salut les futurs repreneurs d'entreprise. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi encore une fois pour aller visiter une entreprise que je veux racheter. Allez, comme tu le sais, hein, je t'emmène avec moi quand je suis en train d'essayer de reprendre des entreprises. Donc, je vais tourner. Hein. Donc là, je vais t'expliquer, je vais poser le décor rapidement avant toute chose. Donc là, c'est un bureau d'études qui fait à peu près un peu plus de 500 000 euros de chiffre d'affaires annuellement. Donc il y a moins de 5 salariés, ok, donc ça me va. C'est essentiellement du pilotage de chantier. Donc pour l'activité, je parle. Le vendeur en veut à peu près 50 000 euros. 50 000 euros. Pour moi, ça ne les vaut pas encore parce que j'ai déjà pu, comme tu le sais, j'ai déjà pu l'étudier avant. C'est-à-dire que j'ai pu l'appeler, j'ai pu l'avoir déjà une fois au téléphone pour voir à peu près, avoir un peu plus d'informations. J'ai déjà eu le bilan entre les mains. Donc là, maintenant, je vais le rencontrer pour la première fois. Ok ? Donc attends, je me suis fait des petites notes. Donc voilà, donc plus de 500 000 euros de chiffre d'affaires, moins de 5 salariés. Ce qui m'intéresse vraiment dans cette entreprise, c'est l'immobilier, c'est-à-dire que le patron est propriétaire des bureaux et éventuellement il est OK pour revendre tout ça. Donc moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse. De plus, donc tu as déjà dû voir l'offre, c'est le deal numéro 3 si je ne me trompe pas, qui n'est toujours pas validé à ce jour, mais si je valide le deal numéro 3, là c'est le deal numéro 4 que je te présente en tout cas, parce que c'est un autre bureau d'études qui fait également du pilotage, mais pas uniquement du pilotage. Je te parle de l'autre structure que je suis en train d'essayer de racheter aussi. Elle fait aussi du pilotage, mmais c'est une beaucoup plus grosse structure, mais de pilotage de chantier, maîtrise d'œuvre, tout ça. Et donc là, en fait, ces deux boîtes-là auraient vraiment un lien à développer ensemble. D'accord, donc vraiment, c'est pour ça que cette structure plus autres sont vraiment très très complémentaires. Et surtout, ce qui est très important pour moi, c'est que ces deux structures-là ont toutes les deux l'immobilier qui peut être vendu avec. Enfin, en plus, mais le propriétaire de l'entreprise est également propriétaire des bâtiments. Et ça, c'est vraiment ce qui est presque le plus important pour moi. Donc voilà, c'est de faire un double, vraiment un effet de levier avec tout ça. Ok, donc voilà, donc maintenant, je vais t'emmener avec moi. On va aller visiter cette entreprise et je te dirai un petit peu mon sentiment. Ok, allez, à tout de suite. Bon, j'y suis arrivé, je suis devant, là, je suis en train d'attendre qu'ils viennent m'ouvrir. Donc là, il est quelle heure? Il est 10h. Donc, je te dirai combien de temps ça a mis et à tout de suite. Alors, ça y est, je suis sorti. Là, j'ai dû partir un petit peu plus loin parce qu'il était juste, il était avec moi dehors. Donc, du coup, je suis parti me garer un peu plus loin. Donc là, il est à peu près 11h30. Donc, ça dure encore à peu près 1h30 le petit rendez-vous. Donc, c'était vraiment top. Vraiment, j'ai bien aimé là. Ces bureaux sont vraiment top, super propres, franchement. Structure, bon, comme je te l'ai dit, il y a peu de personnes dans la boîte. Le chiffre d'affaires de cette année, en tout cas, est largement meilleur que celui qui est passé. Donc aujourd'hui, on veut 50 000. Je ne sais pas encore ce que je vais faire comme offre. En tout cas, ce qui est clair, c'est que l'immobilier est très intéressant et moi, c'est comme je te l'ai dit, c'est vraiment ça qui m'intéresse, c'est de pouvoir reprendre son. Il est propriétaire du local, donc moi, ce que je veux en plus, c'est vraiment reprendre ça et je pense qu'il peut être bien négociable ce local-là. Donc ça, c'est très 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 intéressant. Donc voilà, et vraiment comme je te l'ai dit aussi, je suis en cours sur une autre structure, bah l'autre deal, le deal d'avant, le deal numéro 3, s'il se concrétise, en fait, comme c'est un bureau d'études, je te l'ai déjà dit, il y aura vraiment un gros intérêt d'avoir ces deux structures, ces deux boîtes en fait. Donc vraiment là, pour moi, il y a vraiment des... Franchement, elle me botte vraiment bien cette boîte. Donc voilà, donc on va voir tout ça maintenant. Je vais rentrer, je vais me poser, je vais un peu plus poser les chiffres. Et je pense faire l'offre d'ici la semaine prochaine, reprendre rendez-vous avec lui pour lui faire la lettre d'intention et lui faire ma proposition. Voilà, bah écoute, on se reverra à ce moment-là, je te dirai ce que j'ai décidé. Allez, ça y est, me voilà.
là aujourd'hui, je viens d'arriver, je viens faire l'offre. Donc là, je viens juste d'arriver à bon port. Alors, je t'explique un petit peu ce que je vais faire comme offre aujourd'hui. Alors, pour rappel, 50 000 euros, c'est ce que le vendeur voulait. Moi, comme je te l'ai déjà dit, pour moi, sa boîte, elle vaut aujourd'hui pas grand-chose. En temps normal, je leur ai proposé 1 euro. Mais, il y a un mais. Comme il a le bâtiment, le local, qui vaut environ, je dirais, entre 600 et 700 000 euros quand même, parce qu'il y a quand même 5 ou 6 000 euros de loyer par mois. En fait, je vais lui, entre guillemets, offrir les 50 000 euros qu'il veut. En clair, je vais lui faire comprendre, je ne négocie pas, mais à une seule condition, c'est que l'immobilier, il me le vende pour, donc le local, pour 300 000 euros. D'accord ? Moi, je sais qu'il en vaut 600, 700. Lui, c'est pas vraiment, il ne connaît pas vraiment encore ce que vaut l'immobilier. C'est peut-être renseigné depuis. Je pense que ça ne va pas passer à 300 000, mais c'est déjà ma première offre. Bon, il faut savoir que j'ai quand même une marge de négociation dans ce que je viens de te donner dans mon offre. Mais voilà, donc en clair, c'est ce que je vais lui proposer. Donc, c'est que j'accepte son offre à 50 000, mais il y a l'immobilier en plus. Donc, c'est vraiment là en fait où il y a des effets de levier. On reprend une structure, une entreprise qui, elle, paye un loyer au propre local commercial qu'on serait propriétaire aussi. Voilà. Donc là, maintenant, je vais faire mon offre. Il est 10 heures. Je pense que ça dure une petite demi-heure, une heure. Et dès que j'ai terminé, écoute, je te dirai. Je regarde juste si j'ai rien oublié. Oui, voilà, attends, je vais quand même t'expliquer. C'est-à-dire que quand même, dans mes 50 000 euros, donc je lui offre 50 000 euros. Par contre, il faut qu'il me laisse 3 à 4 mois de trésorerie, dans l'entreprise. Et ce sera un crédit vendeur. Donc, sur 2 ans. Donc, il y aura à peu près un peu plus de 2000 euros par mois sur 2 ans que je lui donnerai. Mais c'est crédit vendeur, ce n'est pas un crédit bancaire. Donc, c'est un crédit au vendeur directement. Donc, comme ça, je ne suis pas caution. OK ? Allez, je te laisse et à tout de suite. Allez, ça y est, je viens de sortir. Il est quasiment déjà 11h15, un peu plus d'une heure. Donc, écoute, ça s'est très bien passé. Donc, le deal, là, il n'a pas trop eu d'objection. La seule chose, à mon sens, qui pourrait faire que ça ne passe pas, ça serait le prix de l'immobilier. Donc, j'ai proposé quand même 300 000 euros pour l'immobilier qui en vaut quand même plus. Comme il est associé sur le local commercial, pas sur l'entreprise, du coup, il n'est pas seul décisionnaire. Donc, la seule chose qui pourrait faire capoter, à mon avis, le deal, ça serait ça. Donc, on va voir. En tout cas, sur les 50 000 euros, donc, je lui ai proposé, au bout de 24 mois, lui payer en crédit vendeur ses 50 000 euros. D'accord ? Là où on a un peu négocié, c'était que je lui offre peut-être 10 à 20% de ce montant-là dès le début, dès le deal, dès qu'on signe. Et derrière, au bout de 12 mois, je lui paye le reste. En clair, sur 50 000 euros, je donne peut-être 10 000 euros dès le début. Et les 40 000 euros restants, je commencerai à payer qu'au bout de 12 mois. C'est une garantie un peu pour moi que je lui demande. Donc, et au bout de 12 mois, les 40 000 euros restants, on fait en crédit vendeur sous 24 mois. Voilà. Donc, a priori, il est à peu près OK avec tout ça. Il resterait quand même un an dans la boîte. Il serait rémunéré une petite partie là-dessus. Donc voilà, donc écoute, c'est plutôt cool. J'attends son retour et je te fais la vidéo pour te donner le retour. Voilà. Allez, ça y est, maintenant j'ai un retour donc du vendeur, donc du cédant, et je vous l'annonce, l'offre a été acceptée. Voilà, super bonne nouvelle. C'est bon, un qui est en cours. Alors, je vais vous reprendre rapidement les choses pour finaliser et comment ça s'est goupillé l'offre. Donc, on repart sur ça. Donc, l'activité, donc c'est un bureau d'études. Le chiffre d'affaires 2020, il était de moins de 500 000 euros hors taxes. Donc, le BE retraité, donc le bénéfice net, le bénéfice était de moins 60 000 euros, donc en déficit,
à cause de la crise de la Covid. En 2021, cette année, enfin l'année qui est passée, 536 000 euros hors taxes, donc c'est très bien, c'est mieux. Et le BE retraité, donc le bénéfice, était de plus 90 000 euros. Donc là, ça devient très intéressant. Donc il n'y a pas de dette, il existe depuis plus de 30 ans, 4 salariés hors dirigeant, et c'est un départ en retraite. Donc pour rappel, donc lui, il veut en clair rester encore un an après la vente pour finaliser les chantiers qu'il avait en cours, pour 2000 euros, et qui reste pour 2000 euros par mois. Mais les 2000 euros par mois, c'est sous forme de facture, c'est pas en étant salarié. D'accord? Donc ça, c'est très bien pour moi qui reprends l'entreprise. Donc ça a été un bouche à oreille, du bouche à oreille pour trouver l'entreprise. Donc il est propriétaire des bureaux, on se rappelle de ça, c'est quasiment un des trucs les plus intéressants pour moi. Et le prix de la vente, il était à 50 000 euros, ce qui n'était pas cher en soi. Donc, moi, mon offre, comme je te l'ai déjà dit, elle a été donc de 50 000 euros. J'ai accepté les 50 000 euros sous réserve qu'il me fasse crédit vendeur. Donc, le crédit, ce soit à lui que je paye et pas que je rembourse à une banque. Donc, sur 24 mois, ce qui fait à peu près 2083 euros par mois remboursés, qu'il a accepté. Par contre, je lui ai dit aussi que la condition était, enfin, les conditions suivantes qui devaient être aussi pour que j'accepte de donner les 50 000 euros, c'est qu'il me vende ses bureaux 300 000 euros, alors qu'ils valent entre 600 et 700 000 euros. Lui ne sait pas que les locaux valent 600, 700 000 euros, mais moi je le sais. Donc voilà, donc ça c'est juste énorme. En plus de ça, donc je lui paye 50 000 euros, mais il me laissera 120 000 euros en trésorerie. Je lui donne 50 000 et il me laisse 50, 120 000 euros en trésorerie. Et en fait, les 120 000 euros, c'est vraiment, donc je vais justifier du fait que c'est pour qu'il y ait un fonds de roulement de 3 mois pour pouvoir payer les charges si toutefois il y avait des problèmes. Et finalement, il reste dans l'entreprise pour 1500 euros par mois et non pas pour 2000 euros, donc pendant un an, mais c'est toujours une facture. Et en plus de ça, je veux qu'il fasse la demande de PGE juste avant que je puisse reprendre l'entreprise, donc prêt garanti par l'État. Il y a à peu près 250 000 euros de trésorerie qu'on peut récupérer grâce à ça. Donc voilà, donc concrètement, j'ai mis rien de ma poche. C'est vraiment voilà, un hold-up, il n'y a pas d'autre terme. Donc là maintenant, ça y est, c'est rédigé. On n'a pas encore signé l'acte définitif. On ne sait jamais. Hein. Aujourd'hui, là, au jour où je te fais la vidéo, il n'y a pas de raison. L'avocat est en route, il est en train de préparer l'acte définitif, tout ça. Mais ça peut parfois capoter au dernier moment. Donc voilà, ce serait vraiment dommage parce que là, pour le coup, c'est vraiment un hold-up. C'est vraiment une très très bonne affaire. J'y gagne vraiment sur tous les tableaux. J'y gagne sur le prix parce que le prix il est pas cher. En plus, c'est en crédit vendeur. Les locaux, bah là, c'est. C'est un vol. Je récupère de la trésorerie et aussi ensuite avec le PGE. Et en plus, je vais pouvoir, entre guillemets, me servir du cédant pendant un an parce qu'il va rester dans la boîte pour uniquement 1500 euros par mois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de charge en plus. Je paye juste une facture parce qu'il a une entreprise et il me facturera avec. Donc voilà, vraiment, c'est un hold-up. N'oublie pas que si tu veux pouvoir profiter d'apprendre comment faire toutes ces choses-là? Il y a l'Académie des repreneurs d'entreprise qui est enfin ouverte. Donc, si tu veux y participer pour te former, fais-moi la demande en commentaire juste en dessous. Voilà. Et comme ça, tu pourras peut-être rentrer dans cette Académie. Voilà. Mets un like, partage, dis-moi ce que tu penses de tout ça en commentaire. Ça me fait vraiment plaisir. Et voilà.